Ton heure est venue. Ah ben il était temps. Tu sais qui je suis? Mais bien sûr que je sais, tu es l'ange de la mort. Enfin, je te voyais un petit peu plus badass quand même. Ok, mais tu n'as pas peur? Non mais tu rigoles, tu me libères d'ici, wesh. Y a pas plus ghetto. Oui, mais bon, tu vas mourir. Bon, si tu veux mon avis, je trouve que la vie c'est un peu surcoté, t'as vu. Mais bon, écoute, de toutes les façons, dès la naissance, on se doute un peu qu'à un moment, on va trépasser. Donc autant accepter l'information plutôt que d'être là paniqué alors que ça dépend pas de nous. En résumé, tu t'en fous de mourir, quoi. Non, c'est juste une nouvelle aventure qui commence, tu vois. Et ça, c'est cool. Mais toi? Et moi quoi? Bah et toi, est-ce que ça va? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Quoi? C'est une question normale, wesh. Tu es la première personne à me parler comme si j'étais un être humain. Ça n'était jamais arrivé. Genre, jamais, jamais? Genre, jamais. Attends, mais de quoi ils parlent les gens quand ils te rencontrent? Ben, soit ils paniquent. Soit il tente de négocier. Waouh! Et je compatis. Et genre, tu fais un temps partiel, un temps complet. Tu vas pas me lâcher avec ça, hein? Ben non, je m'intéresse à qui tu es et à ce que tu fais, genre, à ta personne. Ben écoute, pour être honnête, ça fait 300 ans que je fais ça, un temps complet céleste. Waouh! 300 ans quand même! Je vais pas te mentir, je commence à en avoir ras la capuche. En même temps, c'est pas un peu, hein? En vrai, quand je compare avec les autres anges de la mort, 300 ans, c'est rien du tout. Là, à l'heure actuelle, on s'en fout des autres anges de la mort, là, ok? Ton ressenti est valide, bébé. Merci. T'es sûr que t'es pas une psy? Non, je suis pas psy. Et de rien, bébé, de rien, c'est normal. Mais du coup, si tu te voyais reprendre un taf, ce serait dans quoi? Tu ferais quoi si tu pouvais choisir? En vrai, je me verrais bien en tant qu'ange gardien, tu vois. Ok, je pense que ça t'irait bien. Oh, tu le penses vraiment? Bébé, je te connais pas depuis suffisamment longtemps pour avoir un justificatif pour te mentir. Oui, je le pense vraiment. Je regrette presque que tu sois en train de mourir, en vrai. Mais de rien, tontine, t'inquiète, on peut garder le contact si ça te dit, hein. Avec plaisir. Bah déjà, tu dois de toutes les façons m'annoncer quand tu auras fait le changement professionnel parce que je veux célébrer avec toi. Oh, vraiment, vraiment ravi de te rencontrer, hein. En plus, t'es cute et tout, hein. Oh, arrête. Hey, écoute, peu importe où je finis, je veux quand même de tes news, ok? Ok, promis. On y va? Ah oui, c'est vrai. Allons-y. D'ailleurs, il est comment le patron?